be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Et enfin, on va recommencer une nouvelle semaine de qualité. Et puis franchement, le week-end s'est très bien passé du côté lyonnais. Franchement, je suis content. Le match, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, que si Lyon gagne, je fais une vidéo. Voilà, je fais une vidéo tranquille. On va parler un petit peu en détail de l'Olympique lyonnais très rapidement. Et puis franchement, c'était un match très simple. Et on va dire très simple, ouais, mais c'était pas très difficile puisque quand même, les Lyonnais, on peut douter en fait du jeu de Monaco. Mais Monaco a essayé son jeu, mais il manquait un peu de... On voit que dans Monaco, en fait, il manque un buteur qui est confirmé, qui marque tout le temps. Là, dans cette équipe de ce soir, il n'y avait pas l'équipe, il n'y avait pas le joueur en fait qui marque beaucoup, des joueurs qui ont la rage à Monaco, qui y vont et qui veulent marquer un but, qui donnent cette impression de marquer un but. Là, il n'y avait pas ça, c'était un peu une équipe un peu timide de Monaco. Du coup, la défaite ça a vraiment frappé fort du côté du Lyon. On a forcé, on a mis le tout pour le tout et ça a marché. C'est vrai que Depay un peu oublié sa déception, excusez-moi, de ne pas être parti au Barcelone. Du coup, ben, il joue au football, il fait ce qu'il doit faire, c'est un travail. Il doit faire son travail correctement, donc là, il a marqué. Donc, c'est parfait, c'est que du bonheur. Tant qu'il a marqué un but et que Lyon a gagné, c'est le top. Moi, je dis que franchement, aujourd'hui, ce n'était pas le plus gros match de Lyon. Oui, c'est sûr, ce n'était pas le plus gros match de Lyon. Le plus gros match de Lyon, ça serait... le week-end prochain face à Lille. Ce match-là, si Lyon gagne ce match, là, on pourrait dire que Lyon a commencé sa saison. Mais je ne pense pas que Lyon, parce que comme vous connaissez bien Lyon mieux que moi, vous savez très bien que Lyon, quand il joue contre Lille, ce n'est pas un match facile. Et là, ça va être très, très dur. Alors, ce match, c'est un match de préparation. Lyon a gagné 4-1. Mais bon, on verra. Le week-end prochain, si contre Lille, il gagne même 2-1 ou bien 1-0, un truc comme ça, là, ça serait parfait puisque au moins, ils auront lancé leur saison et on pourrait parler de la deuxième place pour Lyon ou la troisième place. Mais là, pour le moment, je suis content, mais bon. Moi, je suis content, c'est normal, je suis supporter. Mais le match prochain contre Lille, c'est le match le plus important pour Lyon. S'il gagne ce match, là, on pourrait dire que Lyon a lancé sa saison. Parce que Lille, en ce moment, ça cartonne. Hein. Ce n'est pas une équipe de pingouins ou quoi, non. C'est une équipe qui joue au foot. Donc voilà. Là, chacun a marqué ses buts. Depay a marqué. Toko et Kambi a marqué. Le Camerounais, il a marqué. Il a fait son doublé. Il a fait sa petite danse, là, comme ça. La petite danse de Toko et Kambi. La petite danse de Camerounais, quoi. Du jour, quoi. Du week-end. La petite danse vite fait, quoi. S'il marque contre Lille, là, ça serait... Là, on pourrait danser comme ça. Là, on pourrait faire même le coupé décalé, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je vous le fais, le coupé décalé. Il n'y a pas de souci. Je vous fais une petite danse. Mais bon, là, il faut que ce match contre Lille, Lyon gagne. S'il gagne contre Lille, là, ça sera autre chose. Mais là, ça commence bien parce qu'on gagne et on est sixième. Donc, je suis quand même content. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Et peut-être que cette vidéo, si jamais... Lyon se fait pas cartonner contre Lille. Si Lyon se fait cartonner, Lille nous met un 6-0 ou un 8-0 ou 3-0, je ne sais pas. Je pense que je ne ferai même pas de vidéo, je ne vais même pas discuter. Et si Lyon gagne contre Lille, ça c'est sûr que je vous ferai une vidéo ou peut-être même un petit coupé décalé, une petite danse là, vite fait, comme il a fait Toko et Zambi, là, comme ça, je ne sais pas, comme il a fait, comme ça, je crois. Je sais pas moi, enfin bref. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Là aujourd'hui, je suis content. C'est parfait, on est 6ème. Ah, mais c'était pas facile hein, au début, mais bon voilà. Là, on a joué, voilà, on a gagné. Mais bon. Le prochain match contre Lille, là, je n'ai pas à discuter trop, mais je suis quand même dégoûté pour un joueur qui lutte pour marquer un but en ce moment. Un gros match pour ce joueur, c'est Dembélé. En ce moment, c'est très très dur pour lui.
il perd sa place, il est un peu au banc, il joue un peu et tout, il a du mal à marquer un but dans ces quatre-là, il aura mis le cinquième, ça aurait été que du bonheur pour lui. Mais je le souhaite qu'il puisse marquer un but, puisque franchement, en ce moment, c'est très difficile de gagner une place. Pour lui, à Lyon, à l'Olympique Lyonnais, c'est dur de gagner une place. Mais bon, je pense qu'il est courageux et il va pouvoir réussir à marquer un but, peut-être contre Lille, on ne sait pas, on verra bien. Bon, les amis, dormez bien et faites une bonne semaine. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, les amis. Et puis, la prochaine vidéo, je ne vous dis pas comme d'habitude. Allez, ça, les amis. À tous!